on a à peu près 12 000 personnes qui sont passées à l'action d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que soit elles ont interpellé leur conseiller, c'est la deuxième partie de RIF, c'est le passage à l'action. Mm-hmm. Donc soit elles ont interpellé leur conseiller pour dire bon bah moi j'ai vu que mon épargne finançait tel secteur, que j'avais plutôt une empreinte carbone qui était par exemple pas extraordinaire, et donc je voudrais engager un dialogue avec vous pour trouver des produits financiers qui correspondent à mes valeurs. D'accord. Et qui me sont vraiment adaptés. Soit ils ont fait tout un questionnaire qu'on a qui permet de sélectionner les critères extra-financiers qui nous intéressent. Donc par exemple, moi je vais être plus sensible au fait d'exclure certains secteurs parce que c'est contraire à mes valeurs. Mm-hmm. Au contraire, je vais être plus sensible au fait d'investir dans des entreprises qui sont pas forcément les meilleures, mais celles qui se transforment le plus. Ouais. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit transformer la société, en faisant en sorte que les grandes entreprises qui sont pas forcément historiquement les plus performantes d'un point de vue justice sociale ou justice écologique se transforme. Et là, on va avoir accès à toute une liste de produits financiers qui correspondent à toute ou partie de nos valeurs. Et là, on a tant d'utilisateurs qui également ont sélectionné au moins un produit financier en favori pour aller ensuite voir leur conseiller et dire bah, « moi, je veux ce type de produit financier ».